up. What's up? Mook so yummy. Showman, allez. C'est Ritz! Lorsque vous entendez le commandement « C'est Ritz », celui-ci veut dire « on se met en ligne droite ». Alors là, j'ai mis mes talons sur la ligne pour l'explication. Les pieds en V, qui est Musubidashi en japonais. Et on garde le silence. Avec les mains, chaque côté de nous relaxe. César. César, ça veut dire de se mettre à genoux. On commence par le genou gauche. Le genou droit. Les pieds sont comme ça. Alors, je le fais de côté. Je vais partir comme ça. Je vais poser comme ça. Comme ça. Après ça, je vais déposer les pieds, le pied gauche, le pied droit par-dessus, ou ça peut être juste l'orteil, et je vais déposer mes mains comme ça. Et je dépose mes mains comme ça. Les doigts fermés, pas comme ça, tout comme ça. Après ça, vous allez entendre le commandement Mokso. Mokso, ça veut dire une période de méditation. Je vais prendre mes index qui vont se rejoindre ici, et mes deux pouces. Ça fait comme un cœur. Je mets ça devant mes parties. Je garde le corps bien droit, les yeux fermés. Et j'ai une pensée positive, je pense au cours qui s'en vient. Lorsque vous allez entendre Mokso Yame, la seule chose qu'on a à faire, c'est ouvrir nos yeux et remettre nos mains où elles étaient au départ. Après ça, vous allez entendre des commandements de salut. Le salut va toujours être le même. Alors, je vais donner l'exemple avec Shidoin Nile. Shidoin Nile. J'inspire et après ça, je dépose ma main gauche. Je vais déposer ma main droite dans la même position que c'était pour le Mokso, mais je vais le faire au sol. Alors, main gauche, main droite. Je vais aller déposer mon front dans le centre de cette partie-là. Et je vais compter à peu près 2-3 secondes dans ma tête. Je vais me redresser et là, je vais ramener la main droite et la main gauche. Et alors, lorsque les 4 saluts sont faits, alors, lorsque vous entendez le commandement Kiritz au début d'un cours, vous allez faire comme ceci. Fermez les jambes, posez la jambe droite, ok dans la chigi, ok, ok, et lorsqu'on est incliné, on dit Onagai Shimasu et on se relève en chigi. Lorsque vous allez entendre le commandement Kiritz à la fin d'un cours, voici comment ça se passe. Fermez les genoux, dépose la jambe droite. Reviens en Ashiji, Kyotsuke, les. On se remet en Ashiji et on dit Domo, Arigato, Gozaimashita.